Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour du Horizon Zero Dawn comme d'hab. Voilà, Turkish tombe sur Neil et apparemment il y a encore une mission annexe à faire avec lui. À mon avis, vous savez ce que c'est, Je hein? sais les endroits où tu es passé. Ils respectent pas les belles choses, les nouveaux venus. Ils avaient déjà détruit tout ce que t'avais fait. Mais je savais quoi chercher. Les traces dans la terre. Et toutes ces éclaboussures. Je t'avais bien dit qu'on se reverrait. Neil, toujours après les bandits? Bien sûr. J'ai aiguisé mon couteau pour être prêt dès que je sentirais l'odeur du combat. Et tu peux me croire, ces bandits, on les voit venir de loin. Le mieux, c'est d'ajouter une touche de panique et de désespoir. Là, ça pique le nez. Et donc, il s'appelle comment ton couteau? Qui donnerait un nom à son couteau? Je disais ça comme ça. Alors, t'es prête? Ne va pas croire que j'aime ça. T'en fais pas. On va faire en sorte qu'il trahisse pas ton secret. Ok, bon, on va l'accepter tout de suite. Hein, c'est une quête de niveau 12. Allez, on y va tout de suite. On va pas trop perdre de temps. Tiens, là, il y a des soins. Alors, en off, j'ai rien fait de spécial. Hein. Je me suis juste téléporté ici. Tranquillement. Alors, il y en a un là. Je vais garder ses flèches. Je pense que ça peut faire l'affaire. Parfait. Ça commence bien. Il y en a un autre là-bas derrière. Alors, lui, là-bas derrière, je sais pas si je peux l'atteindre d'ici. Je pense que oui, ouais, il est là. Je vais m'avancer un peu quand même. Ouais, il est juste là. Voilà, parfait. Pour le moment, personne ne s'est affolé. Ah, il y en a un là-haut. J'ai failli ne pas le voir, lui. Ou elle. Bon, pour le moment, on progresse plutôt bien. Si lui, il est tout seul là-haut, c'est parfait. Pardon. Ah, mais il était derrière, mince. On va attendre qu'il se calme. Mince. Oula. Quoique... Non, ça descend. Tout dépend ce qu'ils font, en fait. Non, apparemment, ils ont lâché les recherches. Lui là-bas, ça doit être le chef. Ouh, la mauvaise idée. Parfait. Alors, je sais pas si on peut grimper là-haut. Il y a encore pas mal de monde. Lui là-bas, je sais pas s'il peut me voir. Ah, il y en a un là qui arrive. Allez, on s'est infiltré dans le camp. Lui, je peux peut-être... Voilà, économiser des flèches. C'était quoi ça? Oula. Si je peux le one-shot avec la lance, pourquoi pas? Ah mince, il y en a un autre.
Non, tout va bien. Une alarme. Ils ne doivent pas l'utiliser. Comment je peux grimper là-haut? Bon, en tout cas, par là, je peux pas grimper. Peut-être peut-être ici, là, par ici, je sais pas, je vais regarder. Non, je crois pas qu'ici on puisse grimper. Je vais peut-être essayer de me le faire ici. Parfait. On a de la compagnie, c'est ça? What? D'où il sort lui? Tu sors d'où toi? J'ai pas compris d'où il sortait lui. Mais bon, c'est pas grave. Bon, pour le moment on s'en sort plutôt bien. Alors, il reste encore pas mal de mecs, hein, mais bon, de femmes. Ah, il y en a un qui marche là. Ou une. Bandit combattant. Ouais, ça fait juste des allers-retours. Rien de très particulier. Ouh. À mon avis, lui, si j'essaye de le tuer, ça ne passera pas. Lui, là-bas, ça m'étonnerait que je puisse l'avoir, quoique... Bah pour le moment on gère plutôt bien, hein. Y a pas de saucisses et de saucisses. Maintenant ils piétinent pas que les humains, ils se piétinent aussi entre eux. Je vois où ils ont mis les prisonniers en cage. Voilà. Elle a étranglé avec la corde de son arme. Il fallait que j'explique comment voilà. Voilà, bon. Ça c'est fait. Bon, on en a déjà éliminé pas mal. Nil, honnêtement, il sert à que dalle. Faut dire ce qu'il est. Alors là, il nous en reste encore quelques-uns. Le problème, c'est que... Ouais, il y a lui, là. Bon, il est à l'intérieur. Comment je peux faire lui, pour le zigouiller? Un de ces jours, je vais attraper un piétineur pour en revendre les morceaux. Là-bas, il y a des buissons. Par qui je commence en fait? Bon, là il n'y a plus personne de ce côté là. Je vais essayer de faire le tour. Ah, il n'y a pas moyen. Pousse-toi, Nil.
T'es un peu nul. Il y a lui là-bas qui est tout seul. Lui ou elle, là, d'ailleurs. Ok, je peux pas. Je pouvais pas lui mettre un coup critique. Alors pourquoi, je sais pas, mais je pouvais pas. Alors tout dépend. L'autre là-bas il bouge pas. Après il me semblait qu'il y en avait un là-bas. Bon ben franchement le camp là il s'est plutôt bien passé. Par contre, hop là, tu meurs, voilà. L'autre là-bas avec son arme lourde, il est caché. Détruire l'alarme. Parfait. Ils pourront pas s'en servir. Allez, on va se diriger vers l'avant-dernier. Qui ne bouge pas, donc ça va pas être compliqué. Il est juste là. Voilà. Bon, maintenant on va aller libérer les prisonniers. Et l'autre, on va essayer de le one-shot aussi, ma foi. Il parle tout seul, en plus. On dirait un taré. Ils étaient ici, je crois, les prisonniers, non? Ouais, ils sont là-bas. Tu viens avec moi. Voilà. Tenez bon. Je vais vous libérer. Et voilà. Ah, il y a une canne de rivage là. Il est où le rigolo là? Ah, il bouge un peu quand même. Hein, ah, j'ai pas la compétence pour lui. Du coup, vu qu'on n'a pas la compétence, on va bah, lui tirer une de ses superbes flèches aux petits oignons, et puis voilà, c'est fini. Allez, deuxième, non, troisième camp de bandits fait. Celui-là, c'était le camp de je sais plus trop quoi. Où est-ce qu'on est là? Donc là il y a le marchand, là-bas il y a le feu de camp. Ok, on va commencer avec le marchand comme d'habitude. Boîte gratuite, ça c'est obligé. Qu'est-ce que tu vends d'intéressant? Je l'ai acheté. Non, je l'ai pas acheté cet arc. Hop. Eh ben du coup on va le caler là. Voilà, qui est beaucoup mieux. Ensuite, il faudrait que je voie un peu les armes. J'ai quoi là? Alors, cet arc, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc du coup, j'ai acheté ça. Il me faudrait ces deux-là en violet. Est-ce que c'est faisable? Lance-câble de l'ombre. 750. Ouais, allez, je vais le prendre. Hop. Bah du coup on va l'installer ici. Et après j'aurai ça à acheter. Voilà.
Bon, bah on se fait un bon petit équipement. C'est pas mal. Au niveau des armes, du coup, est-ce que je peux faire d'autres améliorations? C'est quoi ça? Ah non, là, je suis... Ouais. Je vais plutôt lui vendre des ressources, non? Qui me sont un peu inutiles. Mais quoi que j'ai pas grand-chose, en fait. Non, je vais rien vendre pour le moment. Ça sert à que dalle. Est-ce que je peux lui acheter un truc intéressant, en fait? Les câbles électriques? Voilà, parce que les câbles électriques, ça part vite. Voilà, bon, je vais faire un tour dans mon inventaire. Ouais, les didacticiels, tout ça, on s'en fout. Artisanat. Munitions, c'est quoi ça? Alors, flèches d'extraction, tu vois, je les avais complètement oubliées, ces flèches-là. Alors, je peux m'en faire, c'est cool. Et il y a ça aussi, du coup... Ouais, maintenant j'ai trois sortes de câbles. Pyrocâble, câble explosif et câble électrique. Oh, qu'est-ce que je vais m'amuser avec les câbles explosifs. J'adore quand ça explose partout. On fout le bordel. Un enfant, je suis un enfant. Ah ouais, du coup on a débloqué d'autres flèches, d'autres munitions. C'est cool, franchement on avance plutôt bien, je suis content. Là il y avait tout ça à récupérer, là aussi... Voilà, on récupère tout. Parfait, c'est parfait. Et ben voilà, ça c'est une affaire qui roule. Bon, il me restera juste la fronde, je crois, oui. La fronde a changé comme arme. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est le... Il est mort comme une merde tout à l'heure, lui. Allez, on va activer le feu de camp. Voilà, ça c'est fait. Je vais looter tout ce que j'ai pas pu looter tout à l'heure. Tout ce qu'il y a là-dedans, là, pour commencer. Mais franchement, je suis content. C'est même pas fait repérer. J'ai attaqué... Non, je veux juste me débarrasser de ça, voilà. Comme ça, je peux looter les caisses. Ah, il y a pas mal de choses. Ça, je peux pas le récupérer, c'est pas grave. Des éclats. Et voilà, ça c'est bien ça. Du coup, il faut retourner parler à Neil. Il y avait quoi lui? Ah, ça je peux pas prendre. C'est pas grave. La capitaine Ersa. Au Céramounon, elle s'est battue pour les lions. L'hélium, c'est l'accent qu'il a eu lui. Allez, on va aller parler à ce taré là-bas, Neil. Ah, du lapinou. Petit lapinou. Ah bon, c'est pas grave. Il veut pas mourir, on lui en veut pas. Toujours en retrait, Neil. Hein. Allez. Il faut que tu te rappelles de ton instinct de chasseur. L'adrénaline. L'excitation. C'est un appel aux armes. De tes désirs profonds. Ou un appel à l'aide. Je n'y résiste pas. J'avais remarqué. Ouais. Tu étais soldat? Alors, t'étais soldat avant? Pour le compte des Karja? Pour eux, contre eux. Un empire a toujours besoin de guerre. Faut prendre ce qu'on trouve. Avad, le nouveau roi, n'est pas de cet avis. Il a lancé une enquête sur les crimes de guerre. Toutes les guerres sont un crime, à mon sens. Enfin bref, je me suis porté volontaire. Porté volontaire pour mener l'enquête? Non, pour avouer ce que j'avais fait. Une enquête, c'est juste du temps perdu. J'ai été envoyé à l'héliolite pendant 2 ans. Un bon marché. Il est fou, ce mec. Quel crime, l'héliolite? Qu'est-ce que c'est que cet héliolite? Un lieu de rituel pour les Karja? Non, non, pas du tout. L'héliolite est une prison. Elle est située au sud de Méridian et des Cataractes. Le nouveau roi Soleil croit à la réinsertion des criminels. Moi aussi, dans l'obscurité d'une cellule de pierre, j'ai décidé de me concentrer sur ce qui était vraiment important. Ouais, quel crime du coup? Parce que ouais. Quel genre de crime avais-tu commis, Neil?
Des choses acceptables, vu les circonstances. Acceptables pour qui? Je prends pas de décision. Pour être clair, ça m'allait de suivre les règles. C'est important, les règles. C'est un cadre. Une cage. À part ça, tu connais ces endroits. Ces lieux désertés où il y avait jadis des gens, qui ne sont maintenant plus que des trous dans notre monde. Il est possible que j'y sois passé. Ok, un nouvel associé. Tu as trouvé un nouvel associé ? Je croyais que c'était toi. Je suis mon propre chemin, Neil. Un chemin qui te mène aux bandits, on dirait. Ça me va, de toute façon, j'avais pas l'intention de te demander en mariage. Je me sens jamais seul quand il y a des gens à tuer. Au revoir, espèce de fou. Un petit détour pour nous, la fin du chemin pour eux. Leur vie n'avait pas d'intérêt, de toute façon. Bon, en tout cas, ça nous a aidé à acheter des armes plus performantes, tout ça, tout ça. Enfin, les bandits servent quand même, hein. On a presque passé le niveau 20, presque. Il reste juste un tout petit quart là-haut, en haut à droite. Bon, ben, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous a plu, avec ce taré derrière. Restez peace, aimez-vous les uns les autres, et salut, ciao, et à la prochaine.